premier café de la matinée. On en a besoin pour faire un 6h-9h. Et Fanny aussi, c'est pour ça que je lui emporte tout de suite son petit café. Au moins, il n'y a pas grand monde. Ah non, c'est calme, la radio. À 5h, il n'y a personne. Tiens, Fanny. Merci. J'arrive à 2h30 le matin. 2h30, 2h40, ça dépend des matins. Le prime time, tu connais pas la télé? Non. Non, je connais pas le... Je connais plus. On dort à 20h et on se réveille le matin très tôt. Alors pour moi, c'est un peu plus tard. C'est vers 3h30 du matin. Donc là, bah, comme Fanny, moi, je prépare. Mais je prépare le côté animation, en fait, de la matinale avec des teasing antennes, avec des disques, des éléments sonores que je place, en fait, pour la conduite qui va servir ici à notre technicien tout à l'heure. Donc, Norbert, toi, tu es le troisième à arriver. Oui, je démarre le véhicule le matin. Ta journée, elle commence à 5h30? Elle commence à 5h30, ouais, où je rejoins l'équipe qui est déjà levée depuis un bout de temps. Ils en sont pas leur premier café, mais moi je vais attaquer. J'installe tout le studio pour l'émission, pour que ça se déroule au mieux, et puis je mets tous mes logiciels en marche. Mine de rien, on se sert énormément de nos écrans. Donc là, le studio se réveille. Le studio se réveille. On va prendre l'antenne. Moment important de la journée. Et à partir de maintenant, attention. On y aller ? Bientôt l'heure ? Bah oui, c'est l'heure. Les journaux sont arrivés, papier. Ouais, ils sont arrivés dans la. Entre les flashs, t'as le temps de revenir un peu au bureau quand même ? Non, non, pas que les journaux en fait. Je fais pas que les flashs, j'accueille les auditeurs avec lui. On est ensemble pendant 3 heures, donc... Et la quatrième personne aujourd'hui à France Bleu arrivée, c'est Anne-Cécile. Enchantée. Bien dormi? Pas trop. Pas dans mes habitudes. Ah oui, moi c'est pas facile non plus, mais... À plus. Toujours le smile. Pour répondre aux auditeurs. C'est ça. T'as vu? T'as pas ma poule? Oui. Dans 15 secondes. France Bleu Matin, ensemble jusqu'à 9h. Fanny Bouvard, Emmanuel Rousseau. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur France Bleu Poitou. Bonjour les Deux-Sèvres, bonjour la Vienne, bonjour Fanny. Bonjour Emmanuel, ça va? Oh bah écoutez, ça va très bien ce matin, même si ça pique un peu quand même dans les rues du Poitou. Hein. C'est vrai que ça pique. Ouais, faut sortir la petite laine. Donc là Manu, je te vois souvent jeter un coup d'œil là-haut. Alors à la pendule, je ouais. Regarde tout le temps l'horloge parce que... Parce qu'en matinale, on est vraiment tout le temps obligé d'être à l'heure et d'être pratiquement tout le temps à la seconde près. Donc on a toujours un œil sur la pendule parce qu'à 6h30 pile, on va devoir raccrocher sur Paris. C'est le dernier rendez-vous national dans la tranche. Après, on sera qu'en direct de Poitiers. Mais on essaie toujours d'être à l'heure, quoi qu'il arrive, toutes les missions. Parce que c'est important et puis on donne l'heure assez régulièrement sur l'antenne de France Bleu parce que le matin, on se réveille et on a besoin de connaître l'heure. C'est un peu notre rôle. De la Coupe de France. Le temps ce matin? Eh bien, normalement, on aura du gris ce matin, quelques averses encore une fois. Petit à petit, quelques éclaircies. Les températures sont très fraîches ce matin, autour de 4 à 5 degrés. Cet après-midi, on atteindra les 11 à 12 degrés. Et d'abord, c'est un véritable trésor qu'ont découvert les gendarmes. Là, on est parti pour 7 minutes. C'est la dernière chance pour un café. Après, c'est la traversée. Jusqu'à 9h. C'est... Allez, Céline. Merci bien, mon brave. Toujours de la bonne humeur dans ce studio le matin. Toujours, toujours Fanny, toujours très concentrée dès le matin. Toujours de la bonne humeur Fanny, oui, le matin. Tout à fait. On est là pour réveiller le Poitou plein de temps. Et ça fait rire Norbert parce qu'à cause de vous, je sais pas quoi dire alors que ça n'arrive jamais. Finalement, nous, le micro, ça nous gêne pas. Mais alors là, tout l'appareillage... Alors donc, à votre avis, il est né dans quelle ville? Est-ce qu'il est né à Paris ou est-ce qu'il est né à La Rochelle, Hervé Villa? Ah. Et donc pas à Capri. Ah, pas à Capri, non. Ah non. Parce que c'est fini. 05 49 60 20 20, vous avez la réponse, vous repartez avec vos deux invitations. France des Poitou, bonjour. Oui, alors Bernadette... Oui, Bernadette de Cissé, c'est bien ça? Alors... Oui, effectivement, mais écoutez, je vous inscris. Si vous êtes tiré au sort, je vous rappelle, d'accord? Peut-être à tout à l'heure, merci beaucoup, au revoir. Là, on a sélectionné André de Coulombiers qui va passer directement à l'antenne. Mais ça sonne encore. Mais ça sonne encore, du coup, on va continuer à répondre aux gens. Coulombiers avec André ce matin. Bonjour André. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah ben, ça va bien, il fait beau. Ouais. Ah, vous voyez, vous aussi, vous n'avez pas de nuages dans le ciel? Rien du tout. Bleu, là, je laisse la place et...
Je vais le mettre de l'autre côté de la table pour que mes collègues puissent s'installer. Arrivé de Frédéric Gissot, c'est ça, Emmanu? Oui, Frédéric Gissot, qui va vous accompagner à partir de 9h. Elle s'installe avec le sourire. Ça, c'est important. À demain, 6h. Effectivement, la vie en bleu, consacrée au dentiste ce matin, il est 9h. Les infos, Fanny Bouvard. Pas un recadrage, non. Et 9h passées, mais t'es encore ici? Je vais pas dormir à partir de 9h. Tous les jours, je suis là jusqu'à midi pour préparer. En fait, le lendemain, il faut toujours que tout soit bien préparé pour que demain matin, quand j'arrive aux alentours de 5h, j'ai le moins de choses à faire, le moins de choses à corriger et que l'émission soit déjà presque en boîte. Elle vient de rentrer dans le studio, c'est Sonia Brunet. Bonjour Sonia. Bonjour Emmanuel Rousseau. On vous retrouve tout à l'heure, à partir de 10h. On va partir, bien sûr, comme d'habitude. Tous les jours, on prépare effectivement le sujet du lendemain et on l'annonce, puisque la radio, c'est à l'instant T, mais c'est aussi dire à l'avance quels sont les rendez-vous qui vont avoir lieu. Les auditeurs vont peut-être découvrir, c'est que tu n'es pas là dès 6h du matin. Bonjour madame. Bonjour, je viens chercher mon cadeau, j'ai gagné dimanche. Ah super, j'ai vous chercher ça. Toute la matinée, je me réveille. Hop, le réveil, la radio réveil se met sur France Bleu. Et maintenant, quand ça m'est arrivé d'être ailleurs, d'écouter une autre radio, j'aime pas. J'aime bien l'ambiance. Donc vous pouvez me citer le numéro du standard par cœur. 05 49 60 20 20. Salut Fanny. Oui, c'est terminé. Les journaux, 10h, dernier journal. Ouais, le dernier journal, 3 minutes, c'est le plus court. Et voilà, ça y est, j'ai presque fini ma journée, je pourrais me coucher. On n'a pas fini en fait. D'abord on prépare l'émission le lendemain et puis il y a le web aussi qui est une autre extension de nos émissions. C'est l'émission de ce matin, donc il faut que je l'alimente avec ce qui s'est dit dans l'émission. Voilà. Ça c'est important. C'est important le web parce qu'on touche un autre public. Story. À réécouter en podcast sur francebleu.fr. Merci Marc Toesca, on vous retrouve dès demain sur France Bleu Poitou. Donc là le geste que tu as fait là, ça veut dire quoi pour Adrien? Il enchaîne les deux éléments sans moi. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas d'intro sur le disque. Donc, pas de place pour que je puisse parler. Donc, c'est beaucoup des gestes, en fait, pour parler avec le preneur de son, le technicien en réalisation. Oui, parce que y a des moments où le micro est ouvert et où il faut qu'on puisse communiquer autrement qu'avec les mots. Après, moi, je crois que je fais beaucoup de gestes, quand même. Oui, mais il a chaud, justement. Ça le ventile. France Bleu Poitou. À venir sur France Bleu Poitou, n'oubliez pas à 17h le rendez-vous avec les fêlés du Poitou. Antoine Plouzenec, entouré de tous ses invités. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente journée. On repart avec Antoine à Loudun pour du coup l'émission d'avant-concert pour les heures bleues. Jusqu'à cette heure-là, en fait, c'est le programme national qui est donc fait à Paris. Ça, on aura bientôt 20 ans. Et le gros cadeau pour la radio pour ces 20 ans, c'est qu'on va déménager, investir de nouveaux locaux. Ça sera l'année prochaine. Des locaux qui vont nous permettre de tripler de surface et d'avoir un studio en plus, d'avoir des animateurs en plus, des techniciens en plus, et ça nous permettra d'être encore meilleurs et encore plus proches des Poitevins. Ça, c'est une particularité de France Bleu Poitou. Ça fait quelques années maintenant qu'on a investi ce champ-là, l'accompagnement de la création locale, des artistes locaux, des musiciens locaux en particulier. On enregistre toutes les semaines, on leur en diffuse toutes les semaines, on accompagne leurs projets et aussi on les met à l'honneur à l'occasion de quelques concerts qu'on peut être amené à co-organiser. Eh bien écoute, on est au Théâtre Auditorium de Poitiers, on se prépare à enregistrer la nouvelle scène Bleu Poitou avec l'artiste Julissi, artiste poitevine qu'on va découvrir. Elle va nous présenter son univers, les musiciens, comment la musique a démarré dans sa vie. On va lui poser plein de questions et c'est tous les week-ends la nouvelle scène Bleu Poitou. On fait découvrir voilà, les artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne et on est plutôt contents du résultat. On découvre plein d'artistes super sympas qui ont plein de belles anecdotes tous les week-ends à nous faire découvrir. Why don't you come on over Valerie? Oh, Valerie. Important parce qu'on peut chanter si bien qu'on veut, mais bon, s'il n'y a personne pour communiquer, pour partager,
on peut continuer à chanter sous la douche et ça reste comme ça. Donc grâce à des radios comme ça, à des télés, on peut quand même faire partager la musique, ce qu'on aime. Ça vaut le détour, spécial Les Heures Bleues de la Vienne, en direct de Loudun. En studio, tout est déjà installé, si tu veux, donc on arrive, il n'y a, plus rien. Ah, mais t'as poussé à fond la mix sonore ? Ouais. Il n'y a rien à. Enfin, nous, tout est réglé en fait quand on arrive au studio. Ici, faut tout installer, faut tout reprendre au départ. Ouais, puis t'as du public surtout. Alors, oui, surtout, ouais, carrément. Donc, faut penser à la diffusion pour le public. Donc, ça, c'est. Ouais, ça prend un peu de temps. Et puis c'est sympa d'avoir son public face à soi plutôt que de l'autre côté du poste aussi des fois. Bah oui pour le coup carrément là, ça change un peu la donne. Ils sont pas, c'est pas des chiffres derrière une bande FM quoi. Ouais, voilà. Ils sont là tu vois. Donc, ça y est, on fait un test, hein, vas-y. Ouais, merci, c'est super. Ce qui se passe c'est qu'on fait une communication en ce qu'on appelle en IP, donc via un réseau internet en gros basiquement. Et depuis ici, depuis notre régie de Loudun, qui arrive en fait à la régie de Poitiers, ouais. Les collègues qui sont là-bas et qui sont en studio, et eux ils nous récupèrent, et eux après il y a quelqu'un qui réalise l'émission en duplex, on appelle ça du coup, entre avec nous ici et eux là-bas. Ça, c'est depuis Poitiers que tout l'habillage est envoyé, donc tout ce qu'on appelle les tapis, voilà, les jingles, les pubs, la musique. Nous ici, on a entre guillemets juste les micros qu'il y a sur le plateau. Et on s'occupe de la diffusion après, ici, dans la sono pour le public, quoi. Beaucoup de choses qui changent. Par exemple, le confort qu'on a dans un studio de radio, il n'est plus là. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour avoir les mêmes outils à l'extérieur. Et puis, on ne va pas se mentir, on ne peut pas arriver à Loudun à l'arrache. Parce que moi, j'arrive toujours en studio avec ma paperasse à genre 2 minutes de l'antenne. Là, ce n'est pas possible. Donc oui, il y a des petites choses qui changent. Mais après, c'est... Ça, c'est la partie un peu contraignante. Il faut aussi voir tout l'aspect vachement attractif de faire de la radio à l'extérieur. En fait, ça. Tu rencontres le public surtout. Ben voilà, c'est ça. Les gens, ils vont rentrer, on va les voir, on va leur dire bonjour. On vient faire de la radio chez eux. Il n'y a pas beaucoup de radios qui font ça, quoi. On vient, on installe un super studio, on a des invités qui viennent parler d'eux, parler du territoire. Donc au final... qu'est-ce que ça change ? Bah, plein de trucs. Mais ça reste, malgré tout, complètement dans l'ADN de France Bleu, quoi. Ce genre de choses. Moi, j'adore ça. Hein. Je ne boude pas mon plaisir d'être ici aujourd'hui. Soprano sur France Bleu Poitou et nous, on va continuer tranquillement de passer un chouette après-midi où nous sommes installés à Loudun, à l'espace René Monory, pour être très précis. Mais là maintenant tout de suite non on va parler des fêlés un petit peu plus tard parce que là je suis avec Jimmy en plateau ici à Loudun. Bonjour Jimmy. Bonjour à tous. Alors Jimmy, artiste du Poitou, aujourd'hui résident dans la Vienne, à Poitiers. Oui, c'est ça. Mais natif des Deux-Sèvres. Exactement, c'est ça. Ce sera exactement le même set que j'avais fait directement à la radio en début janvier. Donc, ce sera... Ça, c'était dans la nouvelle scène Bleu Poitou. Exactement, avec Aurélie Garcia. Exactement. Donc là, il y aura aussi Aurélie Garcia, mais cette fois-ci, il y aura du public. Et oui. D'habitude, tu vois pas les auditeurs. D'habitude, on est en studio. Ouais. Et là, on va être devant 400 personnes. L'exercice, c'est pas le même. On fait tout pour que l'émission soit décontractée parce qu'il faut que ce soit un bon moment, il faut que ce soit un moment de radio où les gens qui sont généralement dans leur voiture à la sortie du boulot, c'est zéro prise de tête pour eux en fait. L'idée c'est vraiment de passer un moment où on apprend quelques trucs, où on rigole de beaucoup de choses et où on se détend. Bienvenue, vous prenez place où vous voulez. Alors juste pour rappel, nous sommes déjà à l'antenne, hein, je le précise. Alors là c'est toujours marrant parce que vous savez quand les fêlés s'installent... Bonjour. Quand les fêlés s'installent, oui on est à l'antenne. On fait en sorte que la préparation soit quand même béton au maximum. Pour qu'il n'y ait plus à se soucier que d'une chose une fois qu'on est en direct et le rouge est allumé. Les fêlés du Poitou, l'émission commence lorsque je le dirai. France 2, ça s'appelle Il a déjà tes yeux. Et tout ça, ce sera juste après le journal de 19h. Merci de passer la soirée avec France Bleu Poitou. 19h, je vous le disais, bah oui, dis donc. 19h, le studio reste calme jusqu'à 5h30 le lendemain matin pour préparer l'arrivée de la matinale de 6h à 9h. Là, cette fois-ci, c'est fini. Paris a repris la main. On a rendu la main à Paris.
montrez-nous vos mains, s'il vous plaît. Toutes les mains.